T'es sorti quand déjà de prison ? Il y a une semaine. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant pour gagner ta vie ? Bah, je vais faire un peu d'intérim. Celui avec le col roulé noir, là, tu le vois là ? Oh putain ! Quoi ? Mais les canons ! Sylvie ! Il est le troisième en 10 ans, tu l'as prévenu aussi ou pas ? C'est plus une prison, c'est un club de rencontres. Je suis ta mère quand même ! Je m'en fous, t'es complètement folle ! Alors vas-y, c'est quoi cette fois-ci ? C'est le smartphone ? Du caviar. 3000 euros le kilo ? Attends, tu appelles tout de suite et tu dis oui ! En plus, vous faites ça en famille ! Je comprends pas, c'est chez qui ici ? Mais c'est chez nous ! On est en place entre-ville, avec quoi t'as payé ça ? J'ai trouvé un flingue dans sa poche tout à l'heure. Quoi ? Ce type est dangereux, il me ment depuis le début. Arrête. Quoi. Regarde comme elle est heureuse ! Regarde ! C'est que je pourrais te faire descendre dans la journée si je voulais. Bah non, tu peux pas puisque t'aimes ma mère. Si je te donne la moitié, tu le fais avec moi. Sérieux ? Il arrive tous les soirs à 23h précis sur le parking. Il s'assoit toujours à la même table. Comme ça, il a un œil sur son camion. Donc ça nous laisse à peu près 40 minutes et on fera 10-15 de plus. Pourquoi elle t'arrête pas le chauffeur ? Non, c'est clair et net, c'est non. Je veux draguer le chauffeur. Si tu restes assis. Je veux draguer le chauffeur. Moi, je suis routier, je suis en train de me faire braquer mon camion là. Non, mais moi, tu écoutes ce que t'as dit, Michel. Laisse-moi faire les choses, putain. T'as fait un truc que jamais t'aurais dû faire. T'as touché à Abel. Tu veux vraiment savoir ce que j'en pense, là ? Ouais, s'il te plaît. Parce que ça peut être d'une violence extrême, hein, ce que je vais te dire. T'aimes pas le pantalon ?